Salutations, c'est Pic et on se retrouve pour le 40e épisode de Minecraft Pocket Edition. Et là, je venais de remarquer que quand vous marchez, vous vous retournez, vous voyez qu'il y a des particules derrière vous. Je l'avais vu sans faire exprès là à l'instant. Bon, je suppose que je l'avais déjà vu, mais bon, c'est la première fois que je le remarque autant. Et ce coup-ci, nous allons aller. Bon, on peut le deviner. Non, pas avec la carotte. Un endroit où il y a de la lave et du feu, donc dans le Nether. Je vais faire dans l'un des seuls trucs qui est bien dans le Nether. Oula, ça lag un peu ici. C'est. Ben en fait, un truc réglé mais très très mal. C'est que les mobs spawnent partout et n'importe comment et c'est des n'importe quoi ces mobs. Ben. Oh, je voudrais voir si les zombies transforment un. Les cochons zombies transformés en zombies drop des pépites d'or. Ce serait stylé ça. Ah, c'est pas là que je vais aller. On va farmer les têtes de Wither squelette. Il y a peu de chances que ça marche. Mais on peut toujours tester. Oh, j'ai pris mon arc. Attendez. Mouais. J'espère juste ne pas perdre. Bébé lapinou. Oh punaise, armée de lapins. Il y a beaucoup de villageois qui sont passés dans le Nether. Je sais même pas s'il y en a encore dans le village. Ouais. Ben, en fait, c'est surtout qu'ils ont des pops encore. Deux fois. Et ce spawner, on va l'arrêter parce qu'il me fait chier. Voilà. Parce qu'il fait pop trop de zombies maintenant et les armures, c'est nul maintenant. Ça pop. Et ben déjà, il n'y en a pas beaucoup avec des armures. Il y en a beaucoup qui pop. Ah oui, je voulais changer un truc. Je voulais mettre des. Les tuer avec des pistons, mais bon. Mais bon. Je le ferai en hors caméra, je pense, ou quand j'aménagerai ici. Alors, il me faut. Non. Ah oui, ben c'est une tenue projectile. Non, je m'en fous des aquatiques. Ouais, même si ça doit être bien les projectiles, parce que les ghasts ils ont pas l'air de beaucoup tirer des trucs projectiles. Et oui, il faut que je me rappelle que j'ai une pioche, j'ai des livres enchantés. Des livres enchantés quoi déjà? Je veux pas des trucs aquatiques. Des livres. Un truc bien, c'est. Non. Oui, Fortune 2. C'est magnifique ça. Fortune 2. Ouais, et trucs nuls, chiants, tout ça. Tu les fais quitter, tu fais descendre et tout ça? Ben, on va dire que ça lag. C'est quoi ça? Voilà. Ben, j'ai encore un wagon qui a des pop. Bon, en gros, il dépop tout le temps. J'ai perdu je sais pas combien de wagons. J'en ai plus aucun au niveau de ma maison. J'en ai presque plus là-bas et au niveau du village. Je sais pas. Mais il dépop même quand. Et là-bas, j'espère qu'ils y sont pas parce que j'ai pas touché.
Ah, les villageois. Regardez un peu les ouvriers. Mais bon, ça marche pas beaucoup. Alors, on va donner les œufs. Je vous préviens tout de suite. Ça a changé. Bon, c'est encore un énorme inconvénient qui fait que j'ai perdu beaucoup de fer, tous les wagons qui disparaissent. Ça fait beaucoup de fer perdu. Mais bon, quand même, tous les bugs sont un peu... Ah merde. J'ai oublié, je me suis mis en peaceful pour pas que ça lag, mais ça fait des pop tout le monde. Je préférais quand c'était en peaceful. Préféré quand c'était un peaceful. Qui sont malades? On fait pas apparaître 5 de ghast comme ça. Ils ont tout défoncé. Comme vous pouvez le voir, ils ont tout massacré. Ah oui, ici, il faut que je mette ça. Et bon, le seul le truc qui rembourse largement tout ce que j'ai perdu, c'est que les pioches en diamant s'est multiplié par 3. C'est pire. Moi, je préférerais que ce soit les... Je préférerais que ce soit mes flèches qui se multiplient par 3 à des moments. Alors, on va se cacher ici. Et on va mettre le jeu facile. Dire en espérant qu'il n'y ait aucun gaz. Y a beaucoup de bébés. En tout cas, le mode peaceful, c'est pas mal pour régler certains problèmes. Ah, mais j'ai plus de zombies du coup. De cochon zombie. Par contre, il y a un cube de magma. Ça m'a fait pop un cube de magma, ça c'est bien. J'allais dire, il résiste bien. Combien de PV ces machins? Un peu haut. En tout cas, ça sent haut aussi. Est-ce que c'est des bébés ça? Parce qu'ils résistent quand même à 2 coups d'épée, hein. Mais ça a combien de PV ces machins? Je confirme. C'est cheaté. Les bébés, ça se tue en un coup normalement. Oula. Pas, je vais laisser 2 gaz entre je l'ai même pas regardé.
l'ai pas regardé. Je l'ai même pas regardé. Il a gros sans te voir. Il te bute plusieurs fois d'affilée. Il te fait mal. Je vois que dalle. Mais si c'est le seul moyen. Même pas. Arrête! Arrête de me taper! Allez, je suis armé là, je t'attends, Enderman. Mort en un coup. Serait-ce un truc normal? Oh. J'étais en train de me dire c'est quoi? Oula. Wow 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 wow. On se calme. Ah, j'ai plus à son bois. Pourquoi? Ah, là, tu es raté. Arrête de tout casser! Il est chiant ce ghast. Mais regarde les trous de profondeur qu'il fait. Je crame pas facilement. On va se balader dans la forteresse ninja.
il est où l'Enderman? Il y a Gérard, il a du pop. The Blade. Nous l'avions vu dans tellement d'épisodes à la fenêtre. Il disparaît à l'épisode 40. Il était là dès l'épisode 10 environ. Il était là. Je crois pas qu'il s'appelait Gérard, mais je n'ai jamais demandé son nom en fait. Ah, et si vous voulez, je peux aménager un spawner à Blaze. Dites dans les commentaires si c'est une bonne idée. J'ai un tout petit peu peur que les Blaze s'attaquent aux Les Enderman t'aggro direct en fait. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de ne pas le penser. Ah, un truc de normal. Un truc de chiant. C'est quoi cette ombre? Une ombre dégueulasse, pas du tout là où elle devrait être. Un Enderman qui m'a peut-être capté à 20 000 km. Ah ouais, on va aller à un endroit aussi. Ah, c'est moi qui ai dû vider parce que j'entends dire, mais pourquoi c'est rien? Ah bah... il est toujours là! Toi, tu es un des plus vieux mobs qui a pas disparu. Ouais. C'est correct. C'est correct. Bon, pour ceux qui connaissent pas cet endroit, ben voilà. J'ai jamais visité par ce côté. Ça se voit que t'as jamais visité par ce côté parce que la création de monde et du coup il laisse un peu désirer. Bon bah on peut voir que la création de monde est toujours aussi jolie. C'est-à-dire j'ai une map buggée. C'est quoi ça? Des montagnes. Il y a plus dégueu comme coupe. Il y a pire. Y'a pire, y'a pire. Par contre, ça promet qu'il y a de jolies grottes là-dedans. What? Je passe le portail, j'entends un bruit de zombie qui crame. Oh, rien de normal!
Oui, j'entends bien le bruit de zombies. Oh, il y a beaucoup de minés ici. Ah, un bruit de ghast, un bruit naturel. Enfin, naturel. Dans Minecraft. Enfin, normal. Pourquoi tu... Ah, j'ai cru qu'il était en train de fuir. Il vient d'ici? Non. Bon, il y a des petits problèmes dans les bruits. On a vu, ils doivent venir d'ici. Ou pas. Il y a des tout petits problèmes. C'est Minecraft Pocket Edition. C'était mieux avant. Largement même. J'adore ce double escalier. Il est pas un peu miné ici ou un truc dans le genre? J'ai dû miner. Ouais, j'ai miné. D'accord, il pédale. J'aime tout sauf les gaz. Parce que ça vole. Et ça tire de très très loin. Et ça pop n'importe où! Vous êtes témoin. Bon, c'est vrai que ça avait le droit de popper ici. Un Enderman, non? Ah, c'est un Enderman, fais pas l'embêter. Je me demande où il est le spawner. Ouais, j'ai monté le son au moins d'entendre. À mon avis, il y avait un wither squelette dans un mur. Je ne vois que cette possibilité. Sinon, c'est qu'il prenait feu, mais là, il y a un problème. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Sinon, je passe pas en peaceful. Je bois ma potion de résistance au feu. Qui n'est pas directement sur moi, ce qui serait une bêtise. Parce que j'ai pas envie de perdre une pioche en diams. Non, en fait, la pioche en diams, je m'en fous un peu parce que j'en ai encore deux. Et je suppose qu'elle se dupliquera encore. Mais c'est plutôt pour mon arc et mon épée. Ah, Minecraft! Demandez à quelqu'un de jouer à Minecraft PE maintenant et allez et mettez-le dans le Nether. Il vous parlera de tous ces blazes qui tirent à une vitesse phénoménale. Des. Oui, c'est surtout les gaz qui tirent à une vitesse phénoménale. Les blazes, c'est normal ça. Les blazes qui spawnent n'importe où. Ouais, les ghosts aussi en fait. Tout le monde spawn n'importe où. Il y en a partout! Non, butez pas les villageois! C'est pas le Nether ça. C'est un test. C'est puis c'est. Alors, je tiens à préciser que je suis en facile. Je tiens à préciser que je suis en facile.
Villageois, il va tranquille. Ah, je louis un squelette. Il y en a deux. J'ai dit. J'en ai marre, Minecraft, c'est trop dur. C'est trop dur, Minecraft. Pocket Edition sort dans le désert, bien sûr. Depuis la 0.16. Je n'ai pas un spawner à squelette. Sinon, ça passera au KL, hein. Parce que je mets une autre résistance aux explosions avec... Le nether, t'as pas peur, hein. Mais c'est pas le cas. Tiens, il y a notre blaze qui spawn. C'est bien les petites fenêtres ici. Bon, celle-là sert pas à grand chose. Ah, si, j'ai vu qu'il y avait un cochon zombie. Oula. Comment elle est rentrée? T'es rentré, toi? Reste dehors. Reste dehors. Et je ne vois pas prendre le portail vu que je viens de le déprotéger. Il y en a un qui a tiré. Le pire, c'est qu'ils savent que t'es là, hein, ils restent autour de toi, hein. Il était pas là, non? Je croyais que les mobs ne pouvaient pas spawner à moins de 8 blocs que toi. Ça n'apparaîtrait pas, Minecraft Pocket Edition. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien! Enderman! Il y a un Enderman qui vient de prendre. Franchement, le plus cool, c'est... D'accord. Laissez-moi, ça spawn n'importe où. Mais ça m'a fait super un peu. Enfin, je suis... Oh, punaise. Ça spawn à côté. Honnêtement, j'avais dit... Mais bon, quand même, hein. Vraiment, tu as dormi? Oh, c'est le long. J'en ai plein de copains. Je m'en fous. Ah. Ah. C'est difficile de ce que tu vas gâcher. J'ai rien du tout. Voilà. On pourra toujours pas, vu qu'il y en a qui a se poupé là et il y en a qui a poupé là. Attendez, il vient pas de popper sur une demi-dalle aussi. Là, il vient popper là. Alors il y en a 4 là, il y en a 2 là, je vole. Oh, c'est impossible.
mettre 9 Lego en fait. C'est un peu flippant. Quand on regarde dans ce sens, il fait grand bleu. Il y a un tout petit problème. Et j'ai l'impression que les nuages ne bougent pas. Bon bah on s'occupera dans la prochaine épisode de la dans les prochaines bientôt de la redstone de Minecraft. Je sais pas comment on fait.